un monde idolâtre, celui qui nous donne la force et la capacité de nous maintenir, alléluia, de nous maintenir, alléluia. Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. C'est vrai que l'Église, nous recevons des choses de Dieu en partie. Il nous a donné une avance, mais c'est une avance sans mesure parce qu'il est le corps, il est la tête du corps. Nous recevons une avance, mais c'est une avance sans mesure. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez continuellement remplis, chère soeur, de l'Esprit de Dieu. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui nous conserve plus jusqu'à son avènement. Nous avons besoin de l'Esprit, être dans l'Esprit, œuvrer dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui parle à l'Église. L'Église n'a pas besoin d'entendre les philosophies, les théologies, chers frères et sœurs. Hein? Les choses sont copiées, apprises. Non. À la fin de chaque lettre, quand nous lisons Apocalypse, nous pouvons constater que à la fin de chaque lettre, il est dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Hein? Et une des missions de l'Esprit, c'est d'enseigner l'Église. Hein? C'est d'enseigner l'Église. L'Église, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne l'Église. Il enseigne l'Église. C'est lui qui inspire les messages. C'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit, mais il faut faire corps avec le Seigneur. Il faut faire corps avec sa parole pour recevoir de Dieu afin de bénir les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. Jean 16, 7, 8, c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. La conviction de péché par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à réaliser que ce que tu fais n'est pas bon. Hein? Qu'il faut que tu changes de voie, il faut que tu changes ta façon de te conduire, de t'habiller, de te comporter. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui touche, qui doit toucher ton mari. On ne fait pas des chantages. On ne fait pas des chantages pour amener les gens au Seigneur. Hein? Et Dieu ne nous a pas donné la force, cette capacité-là. Il nous donne la capacité de témoigner. Et après, c'est lui qui convainc les personnes. Nous témoignons tout simplement. Nous témoignons déjà en vivant la vie de Dieu. C'est ça un témoin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous et vous serez les témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu. C'est ça, l'Esprit de Dieu fait de nous des témoins. Et c'est le Seigneur qui convainc les personnes. Nous témoignons, nous proclamons et c'est Dieu qui fait l'œuvre dans les cœurs et dans les vies. On n'a pas besoin de faire des chantages. Nous devons aller chercher la face de Dieu pour lui saouler quelque part à la maison. Le devient se comporter comme une épouse. Se maîtriser, voilà, c'est le fruit de l'esprit, maîtrise de soi, douceur, amour, de manifester la face à certaines situations. Mais on s'affronte facilement et ça ne peut pas arranger les choses. Alléluia. Oui, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait l'œuvre dans le cœur. On doit tout simplement, on doit rentrer dans l'obéissance, je vous assure. On doit rentrer dans l'obéissance et le Seigneur va faire, il va faire le reste. Nous devons rentrer tous. Vous et moi, chers frères, Dieu veut sauver des vies, et il sauve à travers des personnes qu'il appelle. Alléluia. Il veut que nous soyons des instruments, tout simplement. Et là, le Seigneur va se servir de nous, chers frères, pour amener, attirer, pour rajouter à l'Église ce qui était sauvé. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui rajoute les âmes. Hein? Donc, on ne fait pas des chantages aux gens, on ne fait pas ce qu'on appelle du marketing. Hein? Pour essayer d'attirer les gens, venez chez nous, vous allez voir ce que vous allez voir, vous serez ceci, vous aurez ceci. Non! C'est le Saint-Esprit qui rajoute, qui rajoutait, comme à la Pentecôte, qui rajoutait ce qui était sauvé. Alléluia. Et je crois que le Seigneur a le peuple à sauver. Et bien voilà, soumettons-nous à l'Esprit Saint. Alléluia. Cultivons la crainte de Dieu. C'est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Vraiment, c'est un désir qu'on a de ne pas vouloir offenser le Seigneur. Parce qu'on connaît la vérité, il nous a révélé la vérité. C'est pas, oh, j'ai peur de Dieu, non. Je crois que c'est dans le Seigneur. Ben oui, donc il y a des demeures que le Seigneur construise. Et nous devons vivre dans cette vie sur la terre, mais ne pas être attaché à la terre. Bien. Ne pas mettre notre confiance dans les assurances. Il y a trop, on est dans un pays surassuré. Et puis, les gens, mais regardez, mais les gens sont toujours malheureux. Hein. Les gens, ça ne règle pas le problème de l'inquiétude, des assurances. Ça ne règle pas le problème de l'inquiétude. La peur du lendemain, ça ne règle pas ce problème. Alléluia. La véritable assurance, c'est Christ. Alléluia. Il est notre assurance, il est notre espérance. À lui soit toute la gloire. Nous devons répondre à son appel. Alléluia. Si nous répondons à son appel, il va agir. Si nous répondons à son appel, les gens nous étanchent. C'est quoi ça? Il va remplir nos vies. Nous avons besoin de lui. Alléluia. Nous avons besoin. C'est lui le bien meilleur. C'est être Jésus. Si tu as Jésus, tu auras tout en fait. Si Jésus règne dans notre vie,
Mais il va nous conduire, il nous donnera ce dont nous avons besoin au moment opportun. Il nous donnera ce dont nous avons besoin au moment opportun. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire, Seigneur.